À partir de demain, pendant 3 jours, ce sera la deuxième édition de Lire en Fête, une opération destinée à encourager la lecture, le goût pour les livres, avec des festivals, des rencontres, des ateliers d'écriture et de très nombreux salons du livre. C'est aussi l'occasion de raviver des émotions lointaines, parce que malheureusement, tout le monde ne lit pas et que l'image télévisée ou non a tendance à mettre fin à la culture du livre. Mais c'est pas encore pour aujourd'hui. Ainsi, Jean-Jacques Dufour et Frédéric Pasquette, à Saint-Briac-sur-Mer, près de Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, ont connu quelques bonheurs en suivant le facteur. Saint-Briac, c'est 2000 âmes et un facteur qui, comme Proust, se prénomme Marcel. C'est un hasard, mais c'est bon signe, surtout quand on veut parler bouquins avec les habitants. Allez, la tournée commence. Première étape, le salon mixte. Bonne journée. Je lis beaucoup, beaucoup de choses. Je trouve que quand on a travaillé toute la journée, le fait de pouvoir s'évader le soir un petit peu avec de la lecture, moi je trouve que ça aide à s'endormir et je trouve qu'on vit mieux un peu sa vie professionnelle, je trouve. Après la coiffeuse à la page, l'hôtelière collectionneuse. Ici, on ne lit pas, on entasse. Daniel, votre mari voulait les laisser à Paris ou les jeter, vous avez pas voulu. Moi je voulais les garder. Vraiment, je voulais les garder parce que j'espère bien, dans très peu de temps, 10 minutes par-ci, 1 heure par-là, me mettre enfin, et non seulement à les ranger, et enfin à les lire. Pour la beauté du récit, j'aurais aimé continuer en vous disant que l'homme des lettres était amateur de nouvelles. Malheureusement, c'est impossible. Marcel n'aime pas les livres. Vous lisez, vous ? Moi, je lis la presse locale, les journaux de sport, c'est tout, à peu près. Bouquins ? Non, pas vraiment. Lecture, non, c'est pas vraiment mon truc. Attention, Marcel n'est pas une exception. Selon les statistiques, un quart de la population n'ouvre pas un livre de l'année. Ce n'est pas l'envie qui manque, il paraît que c'est le temps. Non, je n'ai pas le temps, je travaille. Ouais, mais enfin, le soir... Non, je regarde la télévision. Non, je ne lis jamais. Et petit, quand vous étiez petit? Oh, je ne lisais pas du tout. Je suis avec le con. Je n'ai pas le temps de lire. Face ici du destin, la bibliothèque est située juste en face du bar de la mairie. Un endroit pour boire, à côté d'un endroit pour dévorer, décidément, la vie de province a vraiment des avantages. Qu'est-ce que vous lisez en général? Beaucoup de policiers. Surtout, oui. Les policiers, c'est le genre préféré d'environ 30% des Français. Évidemment, je cause des grands parce que les enfants, si on les laissait faire, ils se gaveraient essentiellement de BD. Lucky Luke, Spirou et dans certains cas le Petit Féroce. Qu'est-ce qui lui arrive comme histoire? Bon, son père, il s'appelle Grand Féroce et puis il va chasser des tigres à dents de sabre. Et ça fait peur les tigres à dents de sabre? Non. Non? Non, parce que c'est en noir et blanc que c'est dessiné. Commencée il y a 3 heures, la tournée du préposé s'achève et allez savoir pourquoi c'est à ce moment-là que l'on trouve la perle, François, camionneur. Ah oui, j'ai toujours aimé lire, hein. Ouais. Pourquoi? Il y a eu un déclic? C'était marqué sur mon bouquin, comment ça s'appelle Larbeau, Valérie Larbeau, qui a dit la lecture c'est un vice impuni. Donc ça m'a plu. Un vice impuni qui échappe malheureusement à plus de 2 millions de personnes. C'est en gros le nombre d'illettrés en France.